Bonsoir, bienvenue ici à cette nouvelle rencontre proposée par le festival Effraction. On va parler d'Algérie et l'intitulé de cette rencontre s'appelle « Blessure de la guerre d'Algérie ». Mais vous verrez, on ouvrira d'autres portes, on parlera d'autres blessures aussi certainement. En tout cas, l'Algérie et son histoire et notre histoire avec l'Algérie sera une entrée et nous intéressera beaucoup, notamment grâce à votre livre Nejma Kassimi, Sensible, paru en août dernier. Vous êtes née en 1969 en Algérie et vous êtes revenue en France. Les mots sont importants et on l'expliquera. Et vous êtes revenu en France en 1972, trois années passées en banlieue lyonnaise, avant d'arriver à Belley, dans l'Ain. Toute l'enfance bélézane, écrivez-vous, vous l'avez passée sous le surnom de Dima, un surnom que votre petite sœur vous avait donné parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer votre prénom. Là aussi, on verra comment tout ça va vous suivre jusqu'à vos 18-19 ans. C'est un surnom qui est resté dans le cadre familial. Il s'est étendu aux amis, écrivez-vous, aux copains, puis à tout le monde. On redécouvrait parfois que je m'appelais Nejma, puis on oubliait, et on l'oubliait aussitôt. Je ne me sentais pas différente. Étais-je regardée comme une arabe ? Écrivez-vous, peut-être, certainement même, mais je ne le savais pas. Il faut dire que j'étais la fille de Pierrette Kassimi, professeure de mathématiques au collège. Il faut dire aussi que j'étais la fille de Mohamed Kassimi, dont la réputation au bloc opératoire était impeccable. Je dis tout ça, et c'est pour vous présenter, pour montrer tout ce qui va nous intéresser et tout ce qui est important quand on parle d'Algérie, quand on parle d'étrangers, quand on parle d'immigration et d'exil. J'étais la fille d'un couple mixte, un père algérien, une mère française, mais irréprochable. Mais, pour faire passer le morceau, un mais comme un verre d'eau pour avaler la pilule. Sensible, je le disais, c'est votre premier roman, un récit familial, intime, de la poésie aussi, un récit historique. C'est un livre qui tente par les mots de comprendre l'après-guerre. On expliquera ce qu'est l'après-guerre, on essaiera de voir à quel moment ça commence, l'après-guerre d'Algérie. Vous nous parlez de vos batailles, vous nous parlez de vos colères, vous nous parlez de vos hontes aussi, d'un affranchissement aussi. Et puis ce livre est à destination de la jeunesse d'aujourd'hui, et pas seulement. C'est un livre sensible, c'est un livre comme un uppercut aussi. Vous utilisez des mots, vos mots, des mots du quotidien, mais aussi de la poésie, et tout ça, on en parlera ensemble tout au long de cette rencontre. Alexis Nous, est-ce que je dis Nous ou est-ce que je dis Alexis Nouzelovici? Comment c'est votre nom, le nom de votre père, Alexis? Dites-le nous, parce que c'est un très beau nom. Et c'est important parce que c'est un nom que vous avez gommé pendant très longtemps. Vous avez signé vos livres sous Nous, en gommant le reste de votre nom pour justement gommer l'origine roumaine de vos parents. On y reviendra. Vous êtes né, vous, en 1955, né à Paris, de parents roumains, fils de déportés, et vous dites que votre expérience, que l'expérience-là a complètement dirigé votre vie, et je crois que c'est pareil pour Nejma. Vous êtes professeur en littérature générale et comparée, titulaire de la chaire Exil et Migration au Collège d'études mondiales, c'est ça, et auteur de nombreux livres, et notamment vous avez publié dernièrement Droit d'exil aux éditions Mix.
On va revenir sur toutes les questions qui sont importantes pour vous. Je sais aussi qu'Alexis, vous avez de façon très studieuse lu le livre de Nejma Kassimi, et je crois que vous aurez aussi beaucoup de questions peut-être à lui poser ou de regards à lui faire. Peut-être commencer par vous, Nejma Kassimi. Je disais que vous êtes née en Algérie, vous n'êtes restée que 3 ans là-bas puisque vous êtes arrivée en France. Vous avez écrivez-vous, pris des cours d'arabe littéraire avec une dame syrienne en France, tous les mercredis après-midi, quand vos copines allaient au catéchisme. Ça, j'avais envie de commencer par ça, parce que nous verrons aussi que nous allons beaucoup parler de langue et beaucoup parler aussi de littérature, parce que la littérature est au début de tout et au début du travail d'Alexis, mais c'est au début aussi de votre livre. Mais tout de même, la langue et votre rapport aux langues, quel est-il, Nejma? Alors, c'est intéressant que vous commenciez là-dessus, sur la question des langues. Mon père nous parlait en français, donc la langue à la maison était exclusivement le français, mais quand même, mes parents tenaient à ce que l'on apprenne l'arabe, et on est allé, comme vous le dites, tous les mercredis après-midi, on avait ces cours d'arabe littéraire dont on n'a absolument rien retenu. C'est-à-dire que je sais décrypter l'arabe, je peux le lire, mais je ne sais pas du tout ce que je lis. C'est une langue qui me restait complètement étrangère. Et c'est quelque chose qui est toujours très étrange, de savoir qu'un des parents parle une autre langue que la sienne et qui nous reste inaccessible. Et aujourd'hui, je vis quelque chose de parallèle, parce que je vis à Zurich. Mes enfants parlent l'allemand et le suisse allemand. Et de cette manière-là, j'ai été, moi, contrainte d'apprendre très tardivement l'allemand et de me mettre à apprendre la langue de mes enfants après avoir tenté d'apprendre la langue de mon père. Et de sentir à quel point c'est difficile de trouver ce rapport à la langue. Alors moi, j'ai transmis le français à mes enfants, mais leur langue me reste une langue étrangère. Et que reste-t-il de l'arabe ? Mon nom. Mon nom, ma signature, je signe en arabe. Pour continuer sur la question d'arabe et pour démarrer sur l'enfance et rester sur ça, alors même que vous prenez des cours d'arabe, alors même que vous savez très bien d'où vient votre père, alors même que vous êtes né en Algérie, vous écrivez avoir eu conscience à 8 ans de ce que signifiait être arabe en France. J'aimerais que vous racontiez ce moment-là et racontiez ce choc que vous avez eu et de la conscience de ce que c'était qu'être arabe en France en 1975 à peu près. Oui, dans les années 70, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, mais dans les années 70, il y a des recherches aujourd'hui qui sont faites. Il y avait beaucoup de faits divers où les Arabes étaient victimes de faits divers. Et parallèlement, on identifiait à l'époque les responsables de violences comme étant les personnes de 18 à 45 ans d'origine maghrébine, surtout les hommes. Et on vivait dans cette espèce du fantasme de l'arabe qu'on connaît aujourd'hui encore. Et de ce personnage qui avait été construit dès le début du XXe siècle, ce personnage inquiétant, l'arabe qui est potentiellement dangereux, et cet imaginaire de l'arabe a imprégné les esprits, et imprégné les esprits de tous, au point qu'on en avait peur, et que ce que je raconte dans Sensible, c'est qu'en rentrant de l'école, je vois sur un trottoir un homme qui marche en face de moi, et j'en ai peur. Je rentre chez moi très vite, je suis très inquiète, je vais me réfugier auprès de mon petit papa, c'est ce que je raconte, et puis je m'aperçois qu'en fait, l'homme dont j'avais eu peur, j'en avais eu peur parce que c'était un arabe.
et je le comprends en voyant mon père, en me disant, mais en fait, c'est le même profil. Et je conçois à ce moment-là, à ma grande honte, hein, que si j'ai eu peur de cet homme, c'est pas parce que c'était un homme, c'est parce que c'était un arabe. Et ce que je dis dans Sensible, c'est que je comprends le profil sociologique de mon père alors que je suis une petite fille à ce moment-là. Et c'est là que commence l'ambiguïté, l'ambivalence et la complexité pour vous, enfant. Et d'ailleurs, forcément, ça fait écho à l'histoire d'Alexis Nous. C'est finalement de presque, et vous le dites, vous dites le mot de choisir presque son camp, finalement. De quel camp on est ? Il y a ceux qui ont peur, justement, de ces mâles de 45 ans d'origine maghrébine qui font peur, effectivement, mais de se rendre compte que notre père l'est aussi. Et comment on se construit à partir de ces peurs-là quand on est une petite fille de 8 ans? Comment on apprend à se construire? Bon, à ce moment-là, c'est une espèce de choc que j'ai, mais que j'oublie. Je ne vis pas avec. Parce que quand je grandis dans cette petite ville de province, Belley, qui est dans la région Rhône-Alpes, je ne me vis pas comme une arabe. Donc ça, c'est une anecdote que je vis, mais que j'oublie aussi. Et ça ne sera que quand je vais quitter cette ville de province et partir faire mes études que je vais concevoir la manière dont je suis vue. Et à travers le prisme de mon nom, de mon physique et de mon histoire. Donc à ce moment-là, je comprends les choses. En fait, ce qui se passe, c'est que quand j'écris Sensible, je comprends les choses à rebours. Je comprends après coup tout ce que les manières dont les choses ont été vécues. On va revenir sur ce rebours, effectivement, et y a plusieurs choses dans votre vie qui vont vous faire être obligé de regarder à rebours et de vous confronter à votre histoire et à l'histoire aussi commune. Alexis Nous, quand vous entendez et quand vous lisez Nejma Kassimi, en quoi ça fait écho aussi, vous, à votre propre histoire et à vos propres, peut-être, peurs et hontes? Je dirais que ça fait écho à deux niveaux. Ça fait écho à un niveau biographique. Je me suis reconnu dans nombre d'anecdotes. Le professeur à la Sorbonne qui estime qu'il ne peut pas me donner telle note parce qu'avec un nom comme ça, on ne peut pas comprendre Racine, etc., etc. Donc ça, c'est un niveau, bon, disons, biographique. Mais il y a un autre niveau qui, je crois, est extrêmement intéressant parce qu'il est actuel. À savoir qu'il y a la migration et il y a l'exil. Jusque-là, l'identité de celui ou de celle qui n'avait plus son pays comme décor familier, se pensait du côté de la migration. Et effectivement, la migration est une donnée sociologique, historique, économique, etc. Depuis, et je ne pourrais pas exactement le situer, mais depuis 2-3 décennies, il y a l'expérience de l'exil qui vient nous faire comprendre l'expérience de la migration. Je crois que l'éthos exilique, ce que j'ai appelé ailleurs la condition de l'exilé, se diffracte dans toutes les conditions migratoires. Ce qui fait que je peux me reconnaître à la fois parce qu'il y a effectivement une coïncidence biographique, mais surtout je peux me reconnaître dans le trajet de Nejma parce que son trajet ouvre sur cet éthos exilique, ce être au monde sans avoir de monde. Dans la mesure où son expérience ouvre sur cette condition de l'exilé, je peux moi aussi, puisque je porte cette condition de l'exilé, m'y reconnaître. Ce qui est tout à fait remarquable, et c'est pour ça, bien sûr l'Algérie, et je l'ai lu parce qu'effectivement, l'identité algérienne, ben, j'ai grandi avec, d'une certaine manière. Je veux dire, j'ai encore souvenir des détonations et des bombes dans le quartier, dans le 3e arrondissement, là où il y avait les bars pour les Algériens, j'en ai encore le souvenir. Mais ce qui me semble encore plus important, c'est que le livre est fondé justement sur l'expérience migratoire transmise par les parents, mais surtout par une approche de cette condition de l'exilé. Ce qui est remarquable, c'est quand dans le livre, l'ouverture se fait vers, par exemple,
les autres migrants, mais par exemple les homosexuels. Et comprendre que la condition homosexuelle peut aussi se comprendre comme une déclinaison de la condition exilique. Ou alors cette remarquable relecture de Poil de Carotte que j'avais totalement oubliée et que j'avais rangée sur une étagère poussiéreuse. Et tout d'un coup, effectivement, Poil de Carotte, c'est un exilé. De la même manière que Les Misérables de Victor Hugo, c'est une histoire d'exil. Quand Jean Valjean revient, il revient du bagne, c'est-à-dire qu'il est exilé socialement, exilé géographiquement. Cosette, c'est aussi une exilée, etc., etc. Et ce qui est remarquable dans le livre de Nejma, c'est véritablement l'expérience migratoire algérienne transmise sur deux générations, vous faites la distinction, va rejoindre cette expérience fondamentale qui est l'éthos exilique. Ce qui fait que je ne serais pas d'accord si on devait faire une typologie pour placer le livre de Nejma du côté de, disons, de la littérature migratoire maghrébine. Ce qu'on aurait tendance à pouvoir faire, et pas du tout. Il y a une ouverture qui est totalement différente. Je suis tout à fait d'accord et on va continuer d'ailleurs à parler de ça. Deux, trois choses, effectivement, ce que vous dites est important sur ça ouvre à l'exilé, mais pas forcément du pays. C'est aussi une question de nom quand vous parlez de Poil de Carotte. Encore une fois, voilà un petit garçon qu'on n'appelle pas, qu'on ne nomme pas, qu'on appelle Poil de Carotte. Il est question de l'étranger de Camus dans votre livre, où vous vous rendez compte, grâce à Kamel Daoud, que la victime n'est pas nommée non plus. Il y a une question de donner un nom, de nommer. Ce dont vous parlez dans votre livre, entre autres choses, c'est aussi ça. C'est de nommer les choses et de nommer la victime et de lui donner un nom. Quand on la nomme, c'est aussi la reconnaître, si je l'ai bien compris comme ça. Nejma Kassimi. Alors la question des noms, oui, elle est importante. Quand je me tourne vers Poil de Carotte, en fait, à ce moment-là, je réfléchis et je me pose la question de savoir quelle est la figure dans la littérature, la figure du mal-aimé. Et je me souvenais d'avoir lu ce livre enfant. C'est un livre qu'on fait lire d'ailleurs aux enfants, qu'on étudie à l'école, etc. Et je suis allée voir par curiosité un peu qu'est-ce qu'on trouvait chez Poil de Carotte. Et là, j'étais moi-même effarée de voir les parallèles, de voir que ce garçon n'est nommé que par son trait caractéristique, c'est-à-dire par la couleur de ses cheveux. Il s'appelle Poil de Carotte parce qu'il est roux et qu'il est aussi un personnage qui est à la fois le personnage central de ce roman et qui est là par rapport aux autres protagonistes qui ne veulent pas de Poil de Carotte. Sa mère le déteste, on essaye de le faire disparaître et pourtant il est central. Et pour en revenir aux questions des noms, oui, dans Camus, la victime n'est pas nommée. Et c'est faire disparaître par le nom. Et j'arrive à la fin de Sensible. Alors déjà, dans Sensible, il y a tous ces noms qui reviennent, hein, c'est litanie de noms. Et puis à la fin du texte, je reviens sur le fait que justement, dans mon parcours, quelqu'un me redonne mon nom. Mais à deux occasions d'ailleurs. Il y a d'abord mon ami Cyrino, qui est là d'ailleurs ce soir, qui m'appelle par mon patronyme. On jouait, on était étudiants, on était à Paris, on faisait nos études de philo et on a commencé à s'appeler par nos noms, par nos patronymes. Et donc il me rend mon nom de famille. Ça, c'est le premier moment fort dans ma vie, d'avoir mon nom qui m'est rendu. Et puis, le deuxième moment fort, c'est l'homme que je vais rencontrer et avec qui je passerai les 30 prochaines années, qui, quand je lui dis que je m'appelle Nejma, ne me pose pas de questions, me dit hein, « quoi, de quoi, mais c'est quoi, c'est compliqué ce nom, etc. » et qui me dit oh, « Nejma, comme le roman de Kateb Yassin. » Et c'est la première fois que quelqu'un reconnaît ce prénom. Et
Il est étranger, il est suisse, il n'a pas du tout d'association avec un nom arabe, elle est d'origine algérienne, etc. Ils sont fous, c'est pour lui, Nejma, c'est un personnage de roman, c'est la littérature, et il me rend mon prénom. Donc deux hommes dans mon trajet de vie qui me rendent et mon prénom et mon nom de famille. Quand vous avez parlé de poils de carotte, vous avez dit finalement c'est l'histoire aussi d'un mal-aimé à qui on dit de rester à sa place. C'est de ça aussi dont parle votre livre. Ce sont les mal-aimés à qui on dit de rester à leur place, si ce n'est que pour les Algériens, ça a toujours été une histoire de déplacés, de personnes qu'on a toujours déplacées ou une situation d'immigré alors qu'ils n'étaient pas forcément immigrés. C'est compliqué cette histoire-là aussi. Et vous revenez sur le récit, et là pour remettre un petit peu les choses à leur place et raconter de quand date finalement le début d'une immigration et d'une... Et vous tracez le début de l'histoire de l'immigration algérienne à 1962, pour être précise. Alors je m'embrouille un peu, mais c'est un livre qui ouvre énormément de choses et qui remet, comme je disais, le point sur les points sur les i. C'est ça aussi, c'est l'histoire de déplacer avec un S. Alors c'est une histoire de déplacer. Donc parce que tout mon propos en fait il est de surtout m'intéresser aux jeunes générations qui est là, qui n'a pas été déplacée, qui est là depuis trois générations, enfin les jeunes gens, et que l'on continue à envisager comme des déplacés, comme venant d'ailleurs, alors qu'ils sont nés en France, de parents qui sont aussi parfois nés en France, et qu'on continue à voir comme venant d'ailleurs. Et ce que je dis, c'est que ces personnes qui sont venues d'ailleurs, c'est à partir du moment où comment le dire, c'est... On les envisage comme des immigrés à partir du moment où l'Algérie devient algérienne. C'est-à-dire que jusque-là, ils n'étaient que des indigènes. Ils n'étaient que d'ailleurs. Et à partir du moment où l'Algérie prend son indépendance, on leur donne ce statut d'émigrés dont ils ne se départiront plus et qu'ils vont transmettre à leurs enfants et petits-enfants, et sans que ça ne cesse jamais. Vous mentionnez la carte d'identité de votre père. Mon père possédait une carte d'identité avec la mention indigène. Peu après la Seconde Guerre mondiale, cet indigène, par la grâce constitutionnelle, devint français musulman. Un statut bizarre de français, semble-t-il, mais musulman. Un citoyen de seconde zone, aux droits électoraux tronqués peut-être, mais français tout de même. Ainsi apparaît la carte d'identité française, tandis que la carte dite indigène a glissé dans la manche. Waouh, ça c'est votre écriture, ça fait plaisir. Mais le magicien a plus d'un tour dans son sac. Il agite sa main, tu le vois, tu ne le vois pas. Quand soudain, zim, une nouvelle carte surgit entre ses doigts. C'est la carte d'identité algérienne, oh là là, trop fort, on applaudit le prodige, etc. Ça tourne, c'est presque de la dérision tout ça quand on est. Mais en même temps, il y a une profonde logique. Si je reviens à cette idée de conditions exiliques qui est commune à toutes sortes d'expériences, soit migratoires, soit d'exclusion, soit de sans-abri, etc., etc. Ça nous met aussi sur la voie d'une profonde reconsidération du concept de territoire. À savoir que la migration, c'est effectivement quitter un territoire pour aller dans un autre territoire. L'exil, ce n'est pas ça. Et ce que nous ont appris, ce qu'on désigne actuellement par le terme de les migrants, en deux mots, les migrants depuis une décennie à peu près, nous ont appris qu'eux n'ont pas quitté un territoire pour aller dans un autre territoire. Ils n'ont pas quitté un là-bas pour y venir ici. Ils viennent de nulle part.
et ils apportent ce nulle part dans notre quelque part, avec un brouillage total. Ce qui est intéressant, c'est que le concept de nulle part ne s'oppose pas au concept de quelque part, mais il vient l'éclairer d'une drôle de manière. Et l'expérience de la migration algérienne, qui brouille totalement les cartes, parce que qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, avoir un passeport où il est écrit indigène quand on est en France ? Ça veut dire que je suis encore plus français que les Français, puisque je suis indigène, etc., etc. Tout ce que vous décrivez admirablement, je veux dire, ces changements de territoire. Faut-il citer l'Ukraine ? Évidemment qu'il faut citer l'Ukraine. L'Ukraine, si je prends une ville comme Tchernovitch, par exemple, qui s'est appelée Tchernivitsi, Tchernovitch, Tchernobyl, etc., etc., les territoires d'Europe de l'Est connaissent ces espèces de territoires qui se déplacent. Il n'y a pas seulement les habitants de ces territoires qui se déplacent, ce sont ces territoires qui se déplacent. Pour nombre de migrants qui venaient d'Algérie ou leurs descendants, c'est l'Algérie qui est née alors qu'ils étaient en France, par exemple. C'est-à-dire que c'est le territoire algérien qui s'est déplacé. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, quand on réfléchit en termes de migration, on part d'un territoire pour aller dans un autre territoire. Quand on réfléchit en termes d'exil, on est dans un nulle part généralisé, si j'ose dire. Et ce qui est remarquable, c'est qu'on peut habiter le nulle part. Que tous les exilés le savent. Et que derrière l'expérience des migrants, il y a cette expérience de l'exilé, qui est celle d'habiter le nulle part. Dès lors qu'on est d'accord avec ce postulat, chacun d'entre nous fait l'expérience de se habiter ce nulle part. Et donc peut se reconnaître dans les autres expériences. Après tout, chaque matin, quand on se réveille, on vient de nulle part. Parce que c'est quoi ce territoire des rêves ou des cauchemars ? C'est du nulle part. Bon, qui est un faux nulle part, puisqu'il était malgré tout quelque part. Mais on a expérimenté l'espace de la nuit de vivre dans le nulle part. Et donc c'est cette expérience exilique qui est là et vers laquelle nous tournent toutes les expériences migratoires. Ce qui veut dire qu'il y a une subjectivité exilique. Et c'est cette subjectivité qui, à mon sens, doit nous faire accueillir l'autre. Pas au nom de la solidarité, de la philanthropie, non, au nom de ce qui nous appartient à chacune, chacun d'entre nous, c'est-à-dire cette condition exilique. La condition humaine, ça n'existe pas, on le sait. Mais il y a la condition féminine, noire, juive et exilique. Et c'est là-dessus qu'on peut se rencontrer. Alors la littérature, elle aussi, est une expérience. Et la littérature, elle aussi, est subjective. Et ça, vous le dites tous les deux, et vous l'écrivez d'ailleurs, même vous, Nejma Kassimi. Et ce livre-là que vous ne vouliez pas écrire, ce premier récit-roman, est né de la lecture d'un autre livre. Et vous n'avez pas pu ou plus pu échapper à votre histoire et à ce qui vous peut-être travaillez sans vous en rendre compte quand vous avez lu un texte de Mauvigné qui là vous a fait comprendre que vous faisiez partie de l'après-guerre et vous a fait revenir sur votre histoire et remonter ce fil et vous obliger d'une certaine manière à prendre aussi vos mots et votre plume. Comment s'est passé ce choc qui vous a fait obliger de faire cette bataille-là ? Alors, il y a deux moments qui sont essentiels. Il y a ma découverte des hommes de Mauvigné, qui a été un choc, parce que c'était le moment où j'ai compris qu'en fait, la guerre d'Algérie avait fait de toute la génération des enfants de ceux qui avaient connu cette guerre, avait fait de nous tous des enfants d'après-guerre. Et ce terme d'après-guerre, les enfants d'après-guerre, c'est un terme qui avait été coopté, et à juste titre, qui avait été attribué aux enfants d'après la Seconde Guerre mondiale. Et on gardait ce terme pour eux. Et tout d'un coup, j'ai compris avec Mauvigné qu'en fait, nous étions aussi, nous, les deuxièmes générations, mais pas simplement issus de l'immigration, les enfants aussi de ces hommes qui étaient partis faire la guerre, qui avaient été envoyés à 20 ans faire la guerre en Algérie. Eh bien, les enfants de ces hommes-là étaient aussi des enfants d'après-guerre.
Et c'est la grande révélation des hommes de Mauvigny. Et c'est ensuite que je comprends, après avoir lu ce livre, je comprends que tout ce que j'ai vécu, je l'ai vécu dans une espèce de communauté qu'on ne nous avait pas permis de percevoir, communauté de nous, de cette génération, que ce soit des petits Français, des enfants de Français ou des enfants mixtes comme moi ou des enfants d'Algériens. Nous étions tous des enfants d'après-guerre, c'est-à-dire que nous allions tous porter et pour longtemps cette histoire ensemble avec ces douleurs. Ça, c'était la révélation des hommes de Mauvigny. Et puis, il y a eu aussi, à l'origine de Sensible, le fait que j'ai été absolument heurtée par la manière dont on continuait à traiter les jeunes gens. Qui portent des noms étrangers, qui ont qui portent sur leur corps la couleur de leur peau une origine étrangère et qui continuent à être maltraités en France. Alors j'ouvre le texte sur des violences policières à l'encontre d'un jeune homme, Théo, et je parle de ce fait de violences policières sur ce jeune homme et puis que je généralise à d'autres jeunes gens et à toute cette jeunesse qui continue à être maltraitée et qui finalement porte longtemps après, on est à plus de 60 ans après les décolonisations, qui porte encore le fardeau d'une histoire qui n'a pas été traitée correctement. Et c'est vrai que ce texte, je pense que je n'aurais pas. Je me suis éloignée du sujet de l'Algérie, je me suis éloignée du sujet de la migration, etc. C'était un sujet qui ne m'intéressait pas, c'était un sujet dont j'aurais voulu ne pas traiter. Et j'ai quitté d'ailleurs la France, et en quittant la France, j'ai découvert que je pouvais être française en toute plénitude. C'est-à-dire que jamais on me posait la question, quand j'allais à l'étranger et que je disais que j'étais française, personne ne me posait la question de savoir mais français, mais en me demandant d'expliciter à combien j'étais française. Et j'avais trouvé cette plénitude en partant à l'étranger. Et je pensais, du coup, avoir réglé la question, ne plus avoir à réfléchir à ce sujet-là. Et c'est l'actualité de ce qui se passait en France et la manière dont cette jeunesse est maltraitée qui m'a heurtée au point de me dire je ne peux pas ne rien faire. La question, c'était quoi faire, comment le faire. Et j'avais à l'origine pensé à un roman de facture classique qui me satisfaisait pas, dont j'ai donné le premier feuillet à mon ami Cérino et j'ai compris à sa réaction, c'est-à-dire au fait qu'il ne m'en avait pas parlé du tout, je me suis dit, bon, on n'y est pas, c'est pas ça, je ne suis pas sur la bonne voie. Et nous étions au Maroc, vraiment en pleine campagne, sous un ciel étoilé. Et à ce moment-là, il me dit, il faut que tu arrêtes de penser à un format. Il faut que tu arrêtes de réfléchir, en fait. Cesse de réfléchir. Et c'était le meilleur conseil que j'ai jamais reçu pour pouvoir écrire. C'est-à-dire, je pense que pour pouvoir écrire un texte comme Sensible, j'ai accepté de ne plus réfléchir. J'ai accepté de penser simplement. Et que ce soit le texte qui soit à l'origine de réflexion, que ce soit le texte qui amène les autres à réfléchir, et que ce soit les textes qui réfléchissent une réalité. Ce texte, il est difficilement, on en parlait tout à l'heure, il est difficilement classable, oui. Roman. Mmh. Et c'est une série de petits textes qui se succèdent. Et j'ai accepté de recevoir ces textes
tels qu'ils arrivaient. Je n'ai jamais remis d'ordre dans ces textes, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés tels qu'ils arrivaient. Et je les envoyais d'ailleurs régulièrement à Cérino et j'entendais un « ma Cassimi ». Je me dis « bon, c'est bon, je peux continuer ». Et non, à chaque fois, ils les recevaient « ma Cassimi ». Et je continuais. Et ce texte m'est arrivé avec par effraction. Mm-hmm. Je ne pensais pas le dire, mais je crois voilà, il m'est arrivé par effraction. Mm-hmm. Et ce sont des sensations aussi. Ces textes-là, il y a des sensations dedans qu'on entend, qu'on lit. Il y a de la colère, je le disais, il y a parfois, et ça commence d'ailleurs par cette violence hein, faite à ce jeune homme, et d'ailleurs vos mots sont aussi extrêmement violents d'une certaine manière, parce qu'on sent qu'il faut attaquer, et je dis attaquer parce qu'il y a à un moment donné une pseudo-interview. Il y en a deux, des interviews où on vous fait demander mais qu'est-ce que c'est que ce texte, est-ce que c'est un essai, etc. Et puis dans une autre interview, vous comparez, vous dites finalement, c'est un peu comme le doublé de Thuram en 1998. Pour donner l'image, c'est qu'en fait, Thuram est un défenseur, j'y connais rien en foot, hein, mais il est à la défense, et à ce moment-là, il devient attaquant. Et je me disais, finalement, est-ce que c'est exactement cette image-là de ceux qui doivent toujours se défendre d'être ce qu'ils sont et qui, à ce moment-là, passent à l'attaque? Est-ce que c'est ça, ce texte? Non, pas tout à fait. Parce que l'idée de passer à l'attaque est une idée de revancharde un petit peu. Donc lui, il passe... Alors oui, en termes de balistique, c'est être un attaquant. Mais en fait, c'est surtout il change de position et il fait ce qu'on n'attend pas de lui. Mmh. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'il réussit à faire ce que personne n'attend de lui. Et non seulement il le fait une première fois, mais il le refait une seconde fois. C'est-à-dire qu'il se surpasse parce qu'il a merdé. Il était en défense et il a laissé passer un but et il est en train de faire perdre la France et c'est pas possible. Il est emporté à ce moment-là, Thuram. Il est quelqu'un d'autre et il va changer de camp, il va changer de position et il va tout donner pour s'en sortir. Alors, pour revenir très très rapidement sur le début du texte, dont vous dites qu'il commence avec des mots durs, c'est vrai, le premier texte est assez dur, et figurez-vous qu'il a été adouci, c'est-à-dire que Laurence Bourgeon est là, mon éditrice chez Cambourakis, et qui m'a recommandé de l'adoucir un petit peu, et j'ai suivi son conseil, et quand les gens me disent « Ah bon, il était adouci par rapport au projet initial », elle avait raison, il fallait le faire, mais j'attaquais plus dur que ça. J'aimerais qu'Alexis parle justement de cette langue et du choix, effectivement, et des fois des mots très durs, et une langue particulière hein, qu'utilise Nejma, et c'est très audacieux, et ça rend un texte extrêmement intéressant, hein. On en a parlé tout à l'heure de ça. Bon, j'aimerais beaucoup interroger votre éditrice sur les raisons qui l'ont poussée, parce que si les mots sont durs, alors que dire de cette expérience-là? Comment rendre compte de cette expérience-là abominable, dans des termes qui doivent créer ce même sentiment-là? Ce qui est tout à fait intéressant, c'est qu'il y a une profonde liberté, une liberté d'écriture incroyable. Parfois, on est du côté de l'autofiction, parfois on est du côté de la nostalgie pérequienne, il y a un côté je me souviens, parfois il y a des envies de lire, enfin, etc. On ne sait pas effectivement. Et cette liberté d'écriture, et qui n'est pas du tout une posture, qui est effectivement, page après page, on est dépaysé, renvoie immédiatement, et là c'est une analyse sartrienne classique, à la liberté du lecteur. C'est-à-dire que je suis là dans une écriture tellement libre que je suis obligé de me dire, mais ce que le texte doit me livrer, c'est cette expérience de la liberté.
Et je crois que c'est ce qui est important. Nous en parlions avec Sarah. Est-ce que même si à un moment donné vous parlez de réparation, de chirurgie réparatrice, la littérature, elle ne répare rien. Elle ne répare rien du tout. Si elle réparait, ça serait de la monumentalité, c'est-à-dire qu'elle serait complice de ce qui s'est passé. La littérature, non, elle invite le lecteur, par rapport à l'histoire, à assumer sa liberté. Alors c'est bien sûr l'histoire de la guerre d'Algérie, il y a quelques décennies, mais aussi l'histoire d'aujourd'hui. Et d'une certaine manière, lire ce livre sensible, c'est être sensible à l'actualité. Je crois que ce qui est très très beau, c'est tous ces prénoms que vous évoquez. Auparavant, ils sont évoqués, précédés par patience, patience, patience. Et effectivement, on a besoin de patience. On a besoin de patience pour endurer ces souffrances-là. Et puis tout d'un coup, dans la dernière page ou l'avant-dernière page, je ne sais plus, le mot de patience est remplacé par celui de courage. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot de courage, c'est pas un mot très séduisant. Courage, il y a un côté un peu viril, un peu, allez, courage. Mais il est nourri, ce mot de courage, par la répétition du mot de patience. Et on comprend qu'en fait, la patience, c'est une forme de courage. C'est pas du tout une forme de passivité, mais avoir la patience et se dire que oui, je crois qu'un jour, ce sera mon jour. Et qu'un jour, la liberté régnera, etc., etc. Très camusien, je ne peux pas être libre aussi. Bon. Et je crois que ce qui est très, très intéressant, c'est que cette liberté, elle s'apprend avec la patience. Comme si vous disiez à votre lecteur, aie la patience de me suivre. N'attends pas. Là, je te fais rire, parce qu'on se marre aussi, il faut le dire, on se marre. Mmh. Et alors moi, j'ai aussi été très, très sensible à... Pourtant, on n'est pas exactement de la même génération, mais un espèce de lexique argotique qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Non, je m'excuse, là, c'est très discourtois ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire, c'est que le pim-pam-poum, par exemple, est-ce que ça parle à quelqu'un d'aujourd'hui? Enfin, je veux dire, un jeune d'aujourd'hui, j'en suis pas certain, mais moi, ça me parle terriblement. Pim-pam-poum, etc. Il y a les onomatopées, etc. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que devant cette liberté du texte, le lecteur aussi doit être patient. Et l'apprentissage de cette patience, c'est l'apprentissage de la liberté. Et cette liberté-là, c'est celle qui permet l'engagement du lecteur. À la fin du livre, on a envie de dire, il y a ce magnifique hommage à tous ces prénoms qui défilent comme ça, qui m'évoque pour moi justement ces longs cortèges. Ce qui est vraiment intéressant dans l'expérience de l'exil, c'est que c'est une expérience totalement individuelle, et en même temps c'est une expérience collective. En cela, elle se rapproche aussi de l'expérience du génocide. Le génocide, c'est une expérience individuelle, on meurt seul, désespérément seul, mais dans un génocide, on meurt avec les autres, sous un bombardement, dans un camp, etc., etc. Et l'exil, c'est aussi cette expérience-là. Encore une fois, la migration, je dirais, elle est collective. Je suis migrant comme d'autres migrants. Alors que l'exilé, il est effectivement exilé comme d'autres exilés, mais exilé comme lui-même ou elle-même ne peut que l'être. Et je crois que l'exil est cette articulation entre l'expérience individuelle et l'expérience collective. Et cela aussi, ça demande de la patience. En fait, régulièrement dans Sensible, je demande aux lecteurs de faire des expériences. C'est-à-dire, je demande de faire le chemin avec moi. Par exemple, justement, pour au début, pour les questions de l'expérience raciste, de dire qui parmi vous n'a jamais eu peur d'un arabe, ou n'a pas changé de trottoir, ou n'a pas évité un quartier, qui d'entre vous ne l'a pas fait? Mais ne répondez pas surtout à voix haute, répondez-vous pour vous-même, parce que moi-même j'ai eu peur, donc... Si moi j'ai eu peur, j'imagine bien que tout le monde a bien dû avoir peur. Et très régulièrement, je demande à ce qu'on fasse ce chemin avec moi, qu'on fasse des expériences avec moi, ou des souvenirs de grande honte, de souvenirs d'humiliation. Qu'est-ce qu'on a fait de cette humiliation? Est-ce qu'on l'a raconté à quelqu'un? Et quand on l'a raconté, est-ce que ça nous a fait du bien de la raconter? Ou plutôt on se dit, j'aurais mieux fait de me taire, parce que finalement... l'autre ne m'a pas entendu, etc. Et donc j'essaye
d'embarquer le lecteur avec moi dans des expériences. Il y a une petite phénoménologie de ces expériences de la honte, de l'humiliation ou du racisme, tout simplement. Vous avez parlé de liberté, Alexinous. Moi, j'ai envie de parler de vie aussi, parce que la littérature est celle que vous choisissez, Nejma. C'est celle aussi du vivant. D'ailleurs, quand vous parlez de Céline, ou quand vous parlez de langue, c'est une langue parlée qui commence avec Céline. C'est une langue parlée qui est la langue de la vie et du vivant. Et c'est aussi ça qui change à partir de Céline dans la littérature, qui n'est pas une littérature du réel, mais c'est une littérature subjective. Pas complètement d'accord avec moi, Alexinous. Non, j'essayais de concilier ce principe de honte qui est essentiel, qui est fondamental, sur lequel se conclut le livre, avec Céline. Je crois que je ne reconnais pas la honte dans l'œuvre de Céline, mais bon, il faudrait ouvrir ici un autre débat. Mais j'en profite, cette phénoménologie de la honte, je crois que c'est le terme, est fondamentale parce que c'est un outil politique. C'est-à-dire que l'exilé nous apprend que la honte est un sentiment dont il ne faut pas avoir honte, excusez-moi, c'est un peu facile, mais je le pense sincèrement. C'est-à-dire que la honte est effectivement ce qui permet tout d'un coup de prendre conscience de notre historicité, de notre situation quelque part. Et comme disait Lévinas, être quelque part, c'est peut-être prendre la place de quelqu'un d'autre. Et la honte, c'est ça. Je rappelle que l'extraordinaire roman de Kafka, Le procès, se termine sur le sentiment. K éprouve de la honte alors qu'il se fait assassiner de la manière la plus arbitraire qui soit. Et ce sentiment de honte est un sentiment extrêmement profond, à mon sens, car il permet effectivement à la conscience de se dire « Mais la liberté qui t'est échue, est-ce que tu en uses comme il devrait en être ?» La honte, actuellement, c'est par exemple ce que l'Europe devrait éprouver par rapport à ce qui se passe en Ukraine. La honte, c'est ce que la France devrait éprouver par rapport au passé algérien, au passé colonial, etc., etc. Et donc, la honte est effectivement un sentiment puissamment politique parce qu'il n'amène pas à la passivité, il amène au contraire à l'action. Et c'est ce qu'on voit dans les dernières lignes de votre livre. Il faut faire confiance aux écrivains, écrivez-vous. Ils se tiennent à l'écart, puis surgissent de nulle part pour déchirer la carte du monde. On est là, bien confortable, somnolent. Plus rien ne surprend quand soudain, un écrivain nous fait sursauter. C'est ça le rôle, finalement, de la littérature et des écrivains. Est-ce que vous pouvez nous lire un tout petit extrait de Thuram, pas trop long, puisque juste après, je vais donner la parole, vous donner la parole, si vous avez peut-être quelques questions. Et j'ai vu que l'heure tournait, malheureusement. Interview 2. Bien. Mais pour répondre à ma question, ce texte, c'est quoi ? Un essai ? Comment le qualifier ? Bon, la métaphore du verger ne vous a apparemment rien évoqué. En voici une autre qui vous parlera peut-être. Ce texte, c'est le doublé de Liliane Thuram en 1998. Tiens donc, quel rapport ? Le 8 juillet 1998, la France est en demi-finale de Coupe du Monde de football. Elle joue sur son terrain. Elle joue en France. Elle joue son honneur. Mais le match France-Croatie se passe mal. Une première mi-temps au score nul. La mi-temps est sordide. Ça gueule dans les vestiaires. C'est le verger pourri. Les fruits piqués des verres. Et en début de deuxième mi-temps, les choses empirent. Un but pour la Croatie. Ah, merci le défenseur. Ah, vraiment merci, putain. On peut compter sur toi. C'est l'enfer de la réussite qui passe sous le nez. C'est à se cogner la tête contre les murs. Merde, ne sois pas grossière. Mais l'enfer a ses bienfaits, parfois. Il crée le désespoir, qui dégage une énergie folle. Et cette énergie produit des miracles. Défenseur est désespéré, il va inventer l'espoir. Il va le créer de toutes pièces, à partir de rien, à partir d'un but improbable. Le défenseur marque. C'est le premier but de Thuram. C'est le verger en fleurs. C'est le bonheur de l'espoir retrouvé. Mais ça n'est pas suffisant. Pour qualifier la France en finale, il faut gagner.
Il faut marquer encore. Il faut croire à la folie du premier geste et le répliquer. Ah, c'est impossible, mais c'est indispensable. Et quand ça vous prend et que c'est mûr, on n'a pas le droit de laisser passer. Thuram le sait et Thuram le fait. Deuxième but du défenseur, la France est qualifiée. Vous ne comprenez toujours pas. Vous ne comprenez pas que Thuram n'est qu'un défenseur. Il n'est pas là pour marquer des buts. Il n'est pas là pour faire gagner. Il n'est pas celui qui offre les victoires. Il est celui qui doit éviter l'échec. Il est là pour éviter de perdre. Il est en défense. Et il a failli. Il a merdé. Il va être à l'origine du déshonneur. Il va être celui par qui la France a perdu. Et ça, ça n'est pas possible. Ça n'est plus possible. Ça n'est pas envisageable. Ça n'est pas vivable. Et il n'y survivra pas. Il ne restera pas en défense. Et c'est fini la défense. Merde à la défense. Il va remonter le terrain. Il va quitter sa place et monter. Il va quitter sa place et regagner son honneur. Il va offrir à la France ce qu'elle attend de tous, sauf de lui. Il va lui offrir le chemin de la victoire. Il va lui offrir la liesse d'un bonheur possible. Voilà le doublé légendaire de Thuram. Analyse intéressante, mais au regard de votre texte, eh bien ce texte, c'est le doublé de Thuram. Merci beaucoup, Nejma Kassim, pour cette lecture. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je crois qu'il y a un micro qui est là. Bonsoir, et merci pour vos mots. J'ai entendu un morceau il y a pas très longtemps. C'était par un rappeur franco-algérien qui s'appelait Rossé. Et son père était un faussaire très célèbre pendant la Seconde Guerre mondiale. Et cette chanson s'appelait « Je chante la France ». Et est-ce que la littérature, malgré le statut d'exilé, est-ce que ça peut être une manière de chanter son appartenance à un quelque part? Enfin, je ne sais pas si c'est très clairement formulé, mais... Alexis, puis Nejma, alors Alexis. Oui. C'est un thème... C'est un discours, effectivement, la littérature comme patrie des écrivains, ou nombre d'écrivains disant « je n'ai plus de patrie, mais ma langue », etc., etc. Effectivement, c'est un thème qui me semble très suspect. C'est-à-dire, je dirais que la littérature, c'est ce qui nous apprend la désappartenance. Et pourtant, l'identité, être dans la désappartenance, dans la désappropriation, être nulle part... Et pourtant, être. Et je crois que c'est ça l'expérience de la littérature. De la vraie littérature. Pas la production de livres, la vraie littérature. Ce qui fait qu'effectivement, il y a peu de livres qui nous donnent cette impression-là. Je vais froisser votre modestie. Je pense que j'ai eu effectivement une émotion de ce type-là. Ne pas pouvoir suivre effectivement une thématique sur la mémoire algérienne, etc., etc., être moi désapproprié de ce que j'aurais pu saisir du livre-là pour être amené ailleurs. Et je crois que fondamentalement, l'expérience de la littérature, c'est précisément celle de la désappartenance et pourtant de la permanence de l'identité dans cette désappartenance. Moi, pour rebondir, je pense qu'il y a, très clairement, à travers le texte, il y a une déclaration d'amour à la France. Hein, de toute façon, en revenant sur les auteurs, sur la littérature française, sur son histoire, sur son parcours, et sur... J'insiste à un moment dans Sensible régulièrement sur ces résistants français qui ont pris fait et cause dans une période très difficile, les décolonisations, et qui ont pris
le parti de l'indépendance de l'Algérie. Et j'insiste sur le fait que ces héros-là ont redonné son honneur à la France, comme les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale ont donné son honneur à la France. Et donc très régulièrement, oui, je pense qu'on voit à travers le texte un amour pour une culture, pour une histoire, pour un pays. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors sinon, on va... Madame, alors avec le micro, s'il vous plaît, pour que tout le monde vous entende. Oui, merci beaucoup. Je n'ai pas lu votre livre, mais ça m'a donné très envie de le lire. Et je voulais vous poser une question, parce qu'en fait, c'est quoi l'identité? Alors évidemment, c'est la fin, puisqu'on est pris par l'heure. Mais juste une chose, ma grand-mère s'appelait Nejma. Mais je ne suis pas musulmane, je suis juive. C'est un prénom juif aussi. Et d'Algérie. Et donc tout ce que vous dites est très, très intéressant et parle beaucoup. Mais finalement, dans la construction qu'on peut se faire quand on est immigré en quelque sorte, pas vraiment, mais enfant d'immigré, cette construction de l'identité, moi je crois que c'est ça sa richesse. La richesse, c'est de pouvoir être différent des autres. Très sincèrement, je pense que l'identité, c'est celle que l'on s'attribue à soi-même. C'est-à-dire, c'est le pouvoir de dire « voilà qui je suis » sans que personne puisse remettre en cause votre parole. Et c'est tout le propos de ce texte, d'avoir vécu le fait de ne jamais pouvoir dire qui j'étais sans que quelqu'un vienne le mettre en doute. Et d'avoir fait cette expérience, justement, en partant à l'étranger, de pouvoir dire « je suis française parce que j'ai grandi en France, je suis allée à l'école en France et je parle français. » Et que plus personne ne mette en doute ma parole, parce qu'il suffisait que je dise qui je suis pour qu'on me dise « voilà, très bien, parfait ». Et que c'était quelque chose que je n'arrivais pas à vivre en France et qui m'était douloureux parce qu'on remettait en doute ma parole. Et je crois que c'est ça l'identité, c'est pouvoir dire c'est la manière dont je me définis et que personne n'ait à le mettre en doute. On le voit aujourd'hui, par exemple, pour les identités de genre qui sont très compliquées pour nous parce qu'on n'est pas habitué à ces nouvelles identités de personnes qui refusent d'être assignées hommes, femmes, etc. et qui demandent à ce qu'on les croie sur parole. Si elles se disent femmes, ce sont des femmes. Si elles se disent hommes, ce sont des hommes. Si elles se disent entre les deux, ce sont entre les deux. Enfin, qu'on ne remette pas en cause leur parole. Et je crois que c'est ça l'identité. C'est de pouvoir dire qui l'on est sans que personne vienne vous dire t'en es sûr, vraiment ? Oui, puis on parle d'identité, on parle d'Algérie, mais c'est Alexis qui le disait tout à l'heure, c'est aussi un livre qui dénonce le racisme et toute forme de racisme aussi. Et ça, d'ailleurs, vous très très vite dans le livre, dans un des chapitres, vous parlez la force des mots et la force sémantique. Vous dites l'injure raciste coupe le souffle au sens strict, elle provoque une réaction de sidération qui, selon les dictionnaires médicaux, désigne la suspension brusque des fonctions vitales, telles la respiration ou la circulation sanguine. L'injure raciste bloque le cerveau, elle le met dans l'incapacité d'établir une corrélation entre le mot entendu et la personne désignée. Ça ne marche pas, tout simplement pas. Il cherche désespérément la correspondance entre le mot qu'on vient de lui lancer, le mot crouille, par exemple, et lui-même, et ne trouvant pas le lien, il rame, il se paralyse, il s'accidente, il bug, crash, freeze, etc. Ça montre effectivement la sidération quand on est vu comme différent ou quand on est victime d'un racisme, et peu importe lequel. Et c'est de ça dont parle votre livre, c'est d'assumer toutes les différences et toutes les identités, finalement. Pour répondre à madame, je crois que l'identité, c'est toujours l'identité de l'autre. Que ce soit l'autre à l'extérieur ou l'autre à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'y a identité que quand il y a quête vers cette altérité. Quand c'est une identité qui est fondée sur la même-té, la reproduction du même,
là, c'est la porte ouverte à tous les racismes, effectivement. Mais être, oui, je suis de ce chemin qui me mène vers l'autre. Et mon identité, c'est aller vers l'autre. Je crois, pour moi, ça serait la définition. Et je le reconnais dans le livre de Nejma, cette aller vers l'autre constant. Et effectivement, vous le disiez, vers la jeunesse d'aujourd'hui, effectivement. Courage, dites-vous, effectivement. Merci beaucoup, Nejma Kassimi, Sensible, apparu aux éditions Cambourakis. Je crois qu'il va même paraître dans quelques mois en poche, c'est ça, hein. Et puis, Alexis Nous, Droit d'exil, aux éditions Mix. Alexis Nous-Elovici, je finis par votre nom. Merci à vous.